Pas besoin de casser la tête pour savoir si un nom est féminin ou masculin, puisqu'il serait facile. Vérifions ensemble. Les noms qui se terminent en E, WTE, sont exclusivement des noms féminins. Par exemple, une devinette, une cigarette, la voiturette, la menotte, la cachette, une surette. Ces noms sont exclusivement des noms féminins. Et d'autres encore. Les noms qui se terminent en zion, sion, sont exclusivement des noms féminins. Par exemple, la télévision, la solution, la réception, la récréation, une action, ou l'action, la libération sont tous des noms féminins et d'autres encore. Les noms qui se terminent en T, T, E accent aigu, sont tous des noms féminins. On dit par exemple la santé, la liberté, la solidarité, la montée, la portée, la vérité et d'autres encore. Attention, il y en a des exceptions. Par exemple, on dit le comité, le pâté et d'autres encore. Comité et pâté sont des noms masculins. Toujours la terminaison des noms féminins. Les noms qui se terminent en ance, ance, ou encore ence, ence, sont tous exclusivement des noms féminins. On dit par exemple la souffrance, la connaissance, la tolérance, l'urgence, l'indulgence, la différence et d'autres encore. Pour exception, on a le silence. Silence, c'est un nom masculin. Pour terminer avec les noms féminins, tous les noms exclusivement qui se terminent en ad, aude, ude sont tous exclusivement des noms féminins. Par exemple, on dit la balade, la cascade, la certitude, la gratitude, la pagode et d'autres encore. Les noms qui se terminent en ment, ment, ou phone, phone, sont généralement ou encore exclusivement des noms masculins. Par exemple, on dit un entraînement, un enterrement, un gouvernement, un piment, un téléphone, un magnétophone, un iPhone. Ce sont des noms exclusivement masculins. Les noms qui se terminent en isme, isme, asthme, asme, sont exclusivement des noms masculins. Par exemple, on dit par exemple
le journalisme, le fanatisme, le socialisme, le fantasme et autres encore. Ces noms qui se terminent par isme et asme sont généralement des noms masculins. Poursuivons. Les noms qui se terminent par al sont exclusivement des noms masculins. Par exemple, on dit le garage, un claquage, le mage, le nuage, le dérapage, le dépannage et d'autres encore. Il y en a des exceptions telles que la nage, la plage, la page, la cage, l'image, la rage. Les noms qui se terminent par O, E, A, U sont exclusivement des noms masculins. Par exemple, on dit un chapeau, un bateau, un gâteau, un pinceau, un chameau et d'autres encore. Pour exception, on a l'eau. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos similaires. Commentez, abonnez et surtout, partagez la vidéo avec d'autres personnes.